Si vous voulez, dans une prochaine vidéo, que je me laisse la moustache, mettez le pouce bleu. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un super week-end. Moi ça va nickel comme d'habitude, comme tous les vendredis. Dans cette vidéo, nous allons parler couleuvres, couleuvres asiatiques. Nous allons parler aussi dans cette vidéo des pitons régus. Alors les pitons régus juvéniles que j'ai eu, donc les deux portées que vous avez pu voir dans les vidéos précédentes du vendredi 20h. Et ben, je vais les peser parce que je me suis aperçu que je ne les avais pas encore pesés. Donc je voulais non seulement les peser, mais en plus de ça, vous le faire partager pour qu'on voie ensemble justement est-ce que les œufs plus gros ont réellement donné des régus un peu plus gros ou est-ce que c'était plus ou moins la même chose. Bon après là, les régus, la dernière portée est encore en période de mue, mais ça ne changera rien au niveau du poids. On peut voir ça déjà ensemble et avoir une idée du poids de chaque régus. Et oui, comme je vous l'avais dit déjà dans la dernière vidéo de vendredi, si j'avais un maximum de likes pour ceux qui voulaient que je me laisse pousser une moustache, ben voilà, maintenant j'ai l'air con pour une vidéo avec la petite moustache à la Snake Reptile. Un petit côté très vieux paysan, parce que je crois que ça se fait plus du tout, hein, la moustache pour ma génération, du moins ces générations après. Peut-être que ça va refaire un effet de mode plus tard. Et il me tarde de finir cette vidéo pour aller me raser. J'espère qu'elle n'est pas non plus... Ah putain, forcément, elle est en période de mue. Alors là, voilà, elle a bien grandi depuis que je l'ai. Je ne sais pas si vous vous rappelez la vidéo, ça sera dans la description. Quand je l'ai reçue, il y avait un unboxing de la ferme tropicale. Alors là, elle est quand même relativement terne. Je ne sais pas si... Wow, on va faire attention. Je ne sais pas si vous allez bien le voir en vidéo. Mais elle est en pleine période de mue. Et là déjà elle commence à devenir très très longue. Elle souffle, elle est vraiment pas contente, surtout en période de mue. Je vais pas trop l'emmerder, mais bon, il fallait quand même que je vous la montre en vidéo. Du coup, on ne l'apaisera pas, je suis vraiment désolé. J'ai aucune idée de combien elle peut faire. Bon, après, c'est de la couleuvre asiatique, c'est quand même très élancé, mais à la fois très fin. Surtout que c'est une variété, une espèce qui est quand même aussi... bon, elle est semi-arboricole, mais elle est quand même plus arboricole que terrestre. Et il n'est pas rare, comme je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, qu'on la retrouve en milieu naturel, s'accoupler directement en hauteur dans les arbres. Là, sans déconner, j'ai vraiment pas de chance. Voici mon mâle Coleognathus radiatus, aussi en période de mue. Putain, moi qui voulais les nourrir dans cette vidéo et vous les montrer, bon, au moins vous les verrez en période de mue. Là, par contre, on le voit beaucoup plus au niveau des yeux. J'espère que vous allez bien voir qu'il y a quand même les yeux opaques. Bon, lui, il souffle aussi beaucoup. Donc, on ne peut pas trop profiter encore. Ça ressemble beaucoup à la couleur d'origine, même si on ne peut pas encore trop profiter de la véritable coloration. Donc c'est un mâle, tout ce qu'il y a de plus naturel. Voici une magnifique espèce. Alors les couleuvres sont toujours beaucoup plus speed. Surtout les couleuvres asiatiques ont quand même un comportement... il faut quand même se méfier, on ne sait jamais. Après au niveau de la morsure, ça ne doit pas faire bien mal. Je pense que c'est pas plus... Ça ne doit pas faire plus mal qu'une panthérophis, étant donné quand on voit la taille de la tête du serpent. Alors les Orthriophis tenurus, que ce soit le mâle ou la femelle, donc le mâle est hétérozygote albinos, et la femelle, bon, bah, elle est albinos. Et en fin de compte, j'ai eu le couple directement quand ils étaient juvéniles à la boutique Exotic Factory. Je sais après qu'on peut les trouver un peu partout dans les magasins de reptiles, on les trouve quand même assez fréquemment. Moi, je lancerai des reproductions pratiquement, je pense, chaque année. On ne va pas l'embêter plus, surtout en période de mue.
plat. Alors voici la femelle qui est beaucoup plus longue que le mâle et qui doit être aussi épaisse, peut-être un peu moins épaisse à la limite. Voilà, là, nous ne sommes pas sur des pythons, c'est quand même des serpents beaucoup plus actifs. Voilà, bon là, ça grippe à moi, comme vous pouvez le voir. Et voilà pour cette magnifique espèce. Putain, je tourne une vidéo. Et les mecs, ils sont en train de faire un déménagement juste à côté de chez moi. Super, une nouvelle famille, ça va péter grave. Ils s'imaginent même pas ce qu'il y a ici dans la baraque, juste à côté de chez eux là. Il y a des varans, des bois, des couleurs, des. Je devrais lâcher un varan juste devant chez eux. Big Mac! J'espère que cette vue-là va vous plaire pour pouvoir présenter. Voilà, donc j'ai mis un trépied avec un livre, la GoPro, j'ai fait ça sur le lit. Donc toujours pareil, quand je travaille sur le lit, comme ma pièce d'élevage pour les reptiles, c'est ma chambre. Comme je travaille sur le lit, je mets toujours un genre de plaid, de truc qui protège en fait le drap. Hein. Je ne mets pas directement à même les couvertures, les reptiles. Je n'aime pas trop ça. Bon, il y a toujours une très très grande partie hygiène. Je fais toujours en sorte d'être le plus propre, le plus irréprochable possible. À noter que moi aussi, en fait, j'ai une remontée de blanc. Avec les. Un petit bronzage. Voilà, un petit bronzage. Du gel hydroalcoolique. Voilà. Évitez le gel hydroalcoolique pour les amphibiens. Ah, par contre, ça peut être très dangereux pour eux. Mais en fait, le gel hydroalcoolique, je l'utilise surtout, mais surtout pour les serpents. Vous pouvez aussi l'utiliser pour les lézards. Et jamais, jamais, vous devez le faire pour les amphibiens. La peau des amphibiens absorbe beaucoup et c'est très mauvais pour eux. Ça peut leur être fatal s'ils absorbent du gel hydroalcoolique. On allume la balance et nous pouvons commencer. J'espère que vous verrez le chiffre, sinon de toute façon je vous en parlerai directement. Alors, un petit mâle Bumblebee de ma première portée. Ça c'était les œufs qui n'étaient pas très très gros. 75 grammes. Pastel de ma première portée aussi. 70 grammes. Spider. Première portée. 76 grammes. Spider, toujours première portée. 71 grammes. Bumblebee, première portée. 71 grammes. Naturel de la première portée. 82 grammes. Magnifique. Là, nous attaquons les serpents donc de la deuxième portée. Ce sont des serpents qui avaient des œufs beaucoup plus gros et ils étaient beaucoup plus nombreux. Il y avait une portée de 8 œufs, mais des œufs vraiment très gros par rapport à la première portée. On va voir s'il y a vraiment une réelle différence. Sur la première portée, nous sommes sur une moyenne de
72 grammes, 75 grammes par serpent, je pense, plus ou moins. Je vais pas m'amuser à faire le calcul. Là, par contre, ils sont en période de mue. Donc, regardez pas trop la coloration parce que là, c'est vraiment la période de mue. Un pastel. Alors, on voit bien qu'ils sont très, 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 très ternes. Hein. C'est la première mue qui va arriver d'ici peu. Voilà, là carrément, nous sommes sur des serpents de 88 grammes pour ce pastel. Un autre pastel, 77 grammes. Une naturelle, 88 grammes. Alors là, on avait vraiment de très très gros œufs, comme je vous l'ai dit. 88 grammes, et ça vient de naître, quand. Donc vous vous doutez bien qu'ils ont encore jamais mangé. Là, je pèse des serpents qui n'ont jamais mangé. Un autre pastel. 72 grammes, 73. Après, il y aura bien sûr une vidéo après-mue pour vraiment vous montrer. Comment ça va se passer, hein? Après mieux, on aura vraiment une idée de la coloration. Et là, on va pouvoir craquer. 89 grammes pour ce pastel-là. Encore un coup de gel hydroalcoolique, hein? Et on continue. Un lesser. Je pense pas que ça soit un lesser pastel. Je verrai après mue s'il y a vraiment du jaune bien démarqué ou non. Pour l'instant, je pense que c'est plus un lesser. Mais là, en période de mue, on voit encore moins. 90 grammes. Le super pastel, comme je vous l'ai dit toujours, hein, on le voit au niveau des yeux, période de mue, super pastel, 95 grammes, et ça vient de naître. Là, tu as vraiment sur des serpents qui sont vraiment très gros en étant tout petits. Magnifique. Enfin, magnifique, on le verra dans quelques jours. Et le dernier, l'Esser Super Pastel. Toujours pareil. Toutes les mues vont tomber plus ou moins le même jour. On voit bien l'œil opaque. Période de mue. Normalement, il ne faudrait pas manipuler, il faudrait éviter le stress. Je voulais vraiment tourner cette vidéo maintenant parce qu'après, je vais manquer de temps pour pouvoir le faire. Et comme ça vous permet d'avoir directement d'affilée la suite de la ponte le vendredi d'après. J'aurais pu filmer plus tard et reporter à d'autres vendredis. Mais j'ai fait ça vraiment pour vous faire plaisir. Malgré que normalement, voilà, quand vous avez un serpent en période de mue, laissez-le tranquille, foutez-lui la paix et voyez après mue ce qu'il en est. Pareil pour la pesée, normalement c'est toujours mieux de peser les serpents après mue, étant donné que généralement les serpents font leurs besoins juste après la mue, ce qui vous donne vraiment, donc comme ça, une fois par mois, une fois tous les 1 mois et demi, etc. Vous avez la mue de votre serpent et en même temps, ben, vous avez les déjections qui arrivent très souvent, ce qui fait que vous avez un poids réel de votre serpent. Là, je vous montre des serpents qui n'ont encore jamais mangé et qui viennent de naître il y a que quelques jours seulement. L'Esser Super Pastel, 95 grammes. Alors, vous voyez bien la différence. Là, nous sommes sur une moyenne de 90 grammes, voire plus pour cette portée par petit. Pourtant, il y avait 8 œufs, que l'autre portée, il n'y en avait que 6. 8 œufs, mais très gros. La femelle a encore beaucoup de réserves sur elle. Vraiment, c'est une femelle qui a été faite pour la reproduction. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. On n'a rien précipité du tout dans mon élevage. On a fait ça bien avec des femelles bien portantes. À voir après mue ce que ça va donner. De toute façon, il y aura d'autres vidéos avec la suite où je n'aurai normalement plus ma moustache.
C'est cette façon de peser avec ce nouveau format de vidéo où on peut voir directement la balance, la vue comme ça. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu pour pouvoir me soutenir. Au niveau du sopalin, je le change tous les jours ou tous les deux jours suivant s'il est vraiment sale ou pas. Parce que les juvéniles, même s'ils n'ont pas encore mangé, ils ont eu quand même le sac vitelin donc, qu'ils ont absorbé, ce qui leur a donné des réserves, et ce qui fait que ben, forcément les juvéniles boivent aussi, donc ils urinent très fréquemment. Alors, c'est juste le temps de la première mue. Une fois que la première mue est tombée, les juvéniles s'élèvent exactement comme les adultes, donc avec l'hygrométrie pareil que pour un piton régus adulte. Je ne vaporise plus du tout, c'est un sopalin sec, juste une coupelle d'eau. Pour les nettoyages, toujours pareil, j'utilise du vinaigre blanc, du vinaigre d'alcool, voilà, tout ce qu'il y a plus classique, vous pouvez prendre n'importe quelle marque, c'est du vinaigre, ça vaut une quarantaine de centimes le litre, ça nettoie super bien tout ce qui est les façades, les boîtes plastiques pour les racks, ça nettoie aussi très bien les vitres. Des terrariums.